10 ans. 10 ans que l'armée grecque est figée sur ce rivage. Dix ans que Troie résiste. Les assauts les plus rudes se sont brisés au pied de ces murailles. Inexorablement. Les soldats grecs ont attaqué et pillé toutes les cités alentour, toutes celles qui avaient juré allégeance à Troie. Mais depuis quelques jours, voilà qu'une mystérieuse maladie dévaste les rangs grecs. Les guerriers s'écroulent. C'est l'hécatombe. Achille pénètre sous la tente d'Agamemnon, où tous les rois grecs sont assemblés. Ajax, Ménélas, Ulysse, Nestor et les autres. Le devin Calchas l'accompagne. Cela fait bien longtemps que l'homme qui lit dans la paume des dieux n'est pas apparu au conseil d'Agamemnon. Depuis qu'il a condamné la jeune Iphigénie pour satisfaire la déesse Artémis, et obtenir les vents favorables aux Grecs. Les Grecs qui, aujourd'hui, cherchent à comprendre pour quelle raison un nouveau fléau s'abat sur leur armée. Depuis ce jour, lorsque Calchas s'adresse au roi, chacun tremble et redoute le pire. Cette fois, le devin désigne une jeune femme. Elle est allongée dans un coin de la tente. Tous reconnaissent Chryséis, la fille du grand prêtre d'Apollon. Tous se souviennent qu'elle a été enlevée lors d'un raid contre une ville voisine de Troie. Et qu'au moment de partager le butin, elle a été offerte à Agamemnon. Quelques jours plus tard, le père de Chryséis s'est présenté devant Agamemnon, les bras chargés d'offrandes. Et il l'a supplié de lui rendre son enfant. Agamemnon, sèchement, a refusé. Et il a renvoyé le malheureux avec tout son mépris. Le grand prêtre est reparti. Comme le font tous les humains lorsque le désespoir les saisit, il a sollicité l'aide des dieux. Ou plutôt, d'un dieu. Apollon. Dont il est le très fidèle serviteur. Et Apollon l'a entendu. Le dieu de la lumière s'est précipité vers la plaine de Troie. Et il a décoché ses flèches porteuses de mort sur tous les guerriers grecs. Calchas le devin sait tout cela, et il le dit au roi grec, effaré. Il ajoute même que tant que Chryséis ne sera pas rendu à son père, Apollon
et les Kaer, ces divinités infernales qui hantent les champs de bataille et s'abreuvent du sang des mourants, ne laisseront pas en vie un seul soldat grec. Les rois se tournent vers Agamemnon. Leur chef va-t-il persister dans son refus de rendre Chryséis à son père ? Agamemnon se lève. Une noire colère emplit sa poitrine. Il fixe Calchas le devant. Il maudit ce vieillard qui l'a déjà privé de sa fille, Iphigénie, et qui entend lui soustraire désormais cette jeune beauté, Chryséis. Car Agamemnon s'est mis à aimer Chryséis, plus que sa propre épouse, la reine Clytemnestre. Il imagine déjà qu'une fois la guerre terminée, Chryséis l'accompagnera chez lui, à Mycène, et remplacera Clytemnestre dans son lit, comme sur le trône, jusqu'à ce qu'elle vieillisse à ses côtés. Il aimerait dire à ses hommes, ses compagnons, qu'il ne la rendra jamais. Et peu importe que Troie ne soit pas conquise, peu importe Hélène et son cocu de mari. Puis il pense aux morts grecs. Ces milliers d'âmes qui, depuis 10 ans, espèrent une revanche. Agamemnon baisse les yeux. Il garde le silence. Au même moment, à Troie, un autre affrontement se prépare. Hector fait irruption dans la chambre d'Hélène et de Paris. Il cherche son frère. Paris n'est pas là. La belle Hélène n'a guère eu l'occasion, au cours de toutes ces années, d'être seule en tête-à-tête avec Hector. Le frère de Paris la fuit. Il la tient pour responsable des malheurs qui se sont abattus sur Troie. Hélène le sait. Elle veut lui dire qu'elle le comprend, qu'elle-même ne cesse de se blâmer, qu'elle a été ensorcelée, envoûtée, que si elle s'était doutée, ne serait-ce qu'un seul instant, des conséquences de ses actes, jamais elle ne se serait donnée au beau Paris. Mais Hector l'interrompt brutalement. Maintenant, elle sait. Pour que cesse ce siège interminable, il suffirait qu'elle quitte Troie, qu'elle rentre chez elle et retrouve son époux légitime, Ménélas. Hélène soutient le regard d'Hector. Elle sait que si elle fait cela, c'est la mort qui l'attend. Jamais Ménélas ne lui pardonnera. Il la tuera de ses propres mains. Et pour autant, il n'est pas sûr que les Grecs épargnent Troie. Paris entre dans la pièce. Il rejoint Hélène et la prend dans ses bras. Faut-il qu'il explique une nouvelle fois à son frère Hector qu'il défendra sa cité, mais ne laissera jamais Hélène quitter Troie. Hector sait qu'il ne raisonnera pas son frère. Il rejoint les soldats troyens, prêts pour la bataille, prêts à profiter de l'avantage décisif que le dieu Apollon, outragé par les Grecs, est en train de leur offrir. Agamemnon vient d'écouter les conseils de ses guerriers.
tous lui demandent de rendre la fille du grand prêtre d'Apollon, afin que cesse la colère du dieu. L'homme qui suit les dieux le favorisent. Agamemnon enrage. Le vieux Nestor lui fait valoir que le salut de son peuple vaut bien une fille, fût-elle aussi belle que Chryséis. Ulysse abonde en ce sens, tout comme Diomède et Ajax, Ménélas et Achille. Soit. Il en sera ainsi. Il rendra Chryséis à son père pour que prenne fin le courroux du dieu Apollon. Mais c'est son butin qu'on lui enlève. Or, plus que tout autre, il a droit à sa part. Il est impensable que le roi des rois demeure seul privé de ce privilège. Agamemnon exige une compensation. Les rois approuvent ce qu'il voudra, pourvu que cesse l'hécatombe. Alors, Agamemnon fixe Achille. Lui aussi a reçu en butin une jeune femme ravissante. Elle s'appelle Briseis. Qu'il la cède à Agamemnon, et alors le roi des rois rendra Chryséis à son père. À peine Agamemnon a-t-il prononcé ces mots qu'Achille saisit son épée, prêt à trancher la gorge du roi des rois. Les chefs grecs se figent. Même les dieux, là-haut, retiennent leur souffle. Mais au moment où la lame va jaillir de son fourreau, une force impérieuse la retient. Athéna a surgi. Athéna, invisible aux yeux de tous, sauf d'Achille. La déesse emprisonne le bras du héros. Elle lui murmure à l'oreille que c'est Héra, la déesse au bras blanc, qui l'envoie. Il sait combien d'un amour égal il est aimé et protégé par ces deux divinités. La mort d'Agamemnon ruinerait toutes les chances de succès des Grecs. Elle signerait la victoire de Troie. Achille doit conserver son calme, l'épée restée dans son fourreau. Il sera vengé. Athéna le lui promet. Alors la main d'Achille quitte le pommeau de sa redoutable épée. Athéna se retire. Achille s'enflamme contre Agamemnon. Il le traite de tous les noms. Profiteur, misérable, incapable, sac à vent. Il rappelle que c'est lui, Achille, qui vole de victoire en victoire depuis toutes ces années. Agamemnon reste de marbre. Achille s'empare alors du sceptre en bois clouté d'or que les Grecs ont l'habitude de brandir lorsqu'ils proclament les serments les plus graves. Devant tous les rois assemblés autour d'Agamemnon, il déclare qu'il cédera Briseis au roi des rois. Mais que désormais, lui et ses Myrmidons, ces terribles guerriers qui terrorisent les Troyens, se retirent du combat. La guerre de Troie se poursuivra, mais sans Achille. Son bouclier d'or ne jettera plus ses feux sur les remparts de la cité de Priam. On ne verra plus le héros sur le champ de bataille. Quant à Agamemnon, Achille en fait serment, il périra sous les coups des Troyens. Après avoir vu tomber ses hommes, les uns après les autres.
L'aube s'est levée. Deux hommes se présentent devant la tente d'Achille, où les accueille Patrocle, le cousin d'Achille. Ils sont chargés par Agamemnon d'emmener Briséis. Achille ne leur reproche rien. Sa colère est dirigée contre Agamemnon. Un jour viendra où le roi de Mycène devra payer pour cette humiliation. À contre-cœur, Patrocle prend doucement Briséis par le bras et l'entraîne hors de la tente. La jeune femme jette un dernier regard à Achille et part, escortée par les émissaires d'Agamemnon. Achille est fou de rage. Il rumine la décision d'Agamemnon, à laquelle il a dû consentir. On lui a volé Briséis. C'est un abus de pouvoir, une injustice, une marque de mépris et de déshonneur. Rien ne calme sa fureur. Il a interdit à ses hommes, désormais, de prendre part au combat. Il s'enferme sous sa tente. Là, il implore sa mère, la nymphe Thétis. Thétis a de si grands pouvoirs. Laissera-t-elle son fils ainsi bafoué par le roi des rois ? Thétis, la mère d'Achille, n'a guère l'habitude de se rendre sur l'Olympe. Zeus sait qu'elle viendra ce soir. Il l'attend, assis au bord de son lit. Il a sa tête des mauvais jours, celle qui dit son désarroi et son irritation. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, Thétis se jette à ses pieds. Elle le supplie et plaide la cause de son fils. Achille a été humilié. Il ne mérite pas un tel affront, lui, le plus valeureux des guerriers grecs, qui toujours a été fidèle à Zeus. Zeus ne peut rien refuser à Thétis. Et Thétis le sait. Il fut un temps, bien avant que les hommes ne viennent au monde, où Zeus, Poséidon, Hadès et tous les autres dieux courtisaient la nymphe Thétis. Des créatures les plus désirables qui peuplaient cette terre, elle était celle que Zeus voulait le plus ardemment. Mais un oracle avait prévenu le maître de l'Olympe. S'il lui prenait l'envie de s'unir à Thétis, alors un enfant naîtrait, qui deviendrait plus puissant et plus terrible que son père. Zeus renonça, comme tous les autres dieux, effrayés par la perspective d'être un jour déchus par leur propre progéniture. Et Thétis partit vivre seule, recluse au fond de l'océan. Zeus n'a jamais cessé de l'aimer. C'est pour lui éviter la peine de vivre dans la solitude pendant l'éternité qu'il lui offrit en mariage un mortel aux grandes qualités. Pélée, qui avait participé à l'expédition de la Toison d'or aux côtés de Jason et qui avait gagné la confiance des puissants centaures que tous les mortels redoutent. De l'union entre Thétis et Pélée naquit Achille, le puissant, le divin, sur qui Zeus veille depuis l'enfance. Ainsi Zeus ne s'est-il pas opposé à Thétis lorsque cette dernière mit tout en œuvre pour rendre son fils invincible parmi les mortels. Une nuit, elle descendit jusqu'aux rives du Styx, le fleuve des enfers, et plongea
le jeune Achille dans les flots. L'eau du Styx a le pouvoir de rendre invulnérable. Thétis sait que Zeus lui garde un amour qui jamais ne se réalisera. S'il l'aime encore, alors qu'il protège son fils, Achille, et veille à ce que les Grecs le traitent avec respect, et non en lui confisquant le butin justement gagné au combat. Zeus écoute la supplique de Thétis. Voilà qui complique considérablement ses plans. Depuis 10 ans, Zeus refuse de prendre parti. Il aime et blâme à part égale Grecs et Troyens. Le dieu des dieux se veut le père de tous les hommes. Aucun camp ne l'a d'ailleurs outragé. Mais cette guerre entre Grecs et Troyens est devenue un conflit entre les dieux. S'il aide les Troyens, alors son épouse Héra et sa fille Athéna ne lui pardonneront jamais. S'il aide les Grecs, son fils Apollon et sa fille Artémis refuseront son verdict. Mais Thétis est là, suppliante, belle encore. Thétis demande à Zeus de prêter sa force aux Troyens, jusqu'au jour où les Grecs n'auront plus d'autre choix que de rappeler Achille parmi eux. Et pour cela, devront lui rendre sa captive, et par là même, l'estime qui lui est due. Et puis, dit-elle à Zeus, Achille est l'enfant qu'il n'a pas eu. Après un long moment, le maître de l'Olympe se relève. Il a décidé. Il ne souhaite pas l'échec des Grecs, mais rendra Achille son tribut. Il prendra donc le parti des Troyens, de façon discrète, afin que nul chez les dieux ne s'en aperçoive. Il conçoit un stratagème. Il fera croire aux Grecs qu'il les soutient pour mieux les entraîner vers leur perte. À la nuit tombée, Zeus envoie le rêve pernicieux vers les bateaux légers d'Agamemnon. Le roi des rois est endormi sous sa tente. Le rêve lui annonce que l'heure de son triomphe a sonné, que Zeus, en personne, a décidé de lui accorder la gloire. Dès l'aube, il pourra lancer ses troupes à la conquête de la cité du roi Priam. Ignorant dans quel piège, le maître de l'Olympe vient de l'attirer.